Si vous regardez cette vidéo, mes frères et sœurs, c'est que vous êtes bel et bien en 2019 et ça, c'est extraordinaire. Yes! Et puisque vous êtes en 2019, nous devons vous dire bonne arrivée, bienvenue. Si vous êtes encore en vie et en bonne santé, c'est extraordinaire. Si toute votre famille se porte bien et que tout va bien chez vous, nous rendons gloire à Dieu. Ce n'est pas un hasard. Si tout se passe bien aujourd'hui chez vous, c'est tout simplement parce que Dieu vous soutient. C'est parce que la main de Dieu est sur vous aussi. Continuez sur le bon chemin. N'abandonnez jamais la main de Dieu pour un autre Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons bénir Dieu pour tout ce qu'il fait de notre vie et même pour tout ce qu'il fera. 2018 est passé et 2019 vient à peine d'arriver. Il sera bientôt 2h du matin ici. Nous n'avons pas dormi, mais nous tenons à faire cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, que 2018 ou encore 2019, c'est 2018 plus 1. 2018 plus une année. Ça veut dire que nous allons nous inspirer des expériences, de nos expériences, de ce que nous avons connu l'année dernière pour pouvoir bien préparer cette année. Oui, analysons encore notre vie. Déjà pour commencer cette année, la première chose à faire, c'est que quand on se lève le matin de son lit, on s'assoit tranquillement. On prend la parole de Dieu et on lit la parole de Dieu. Vous pouvez lire le psaume 121 où on nous dit « Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Mes frères et sœurs, à ce moment, les gens ont commencé à vous dire « Meilleurs vœux, tout ça, c'est bien. » Bonne année, c'est extraordinaire. Mais 2019 aussi aura ses surprises. 2019 aussi aura ses difficultés. Mais nous devons les affronter. Et pour bien les affronter, il faut bien commencer l'année avec la parole de Dieu. Avec le regard fixé vers Dieu déjà. Pour dire « Seigneur, c'est extraordinaire. » C'est une nouvelle année, c'est 2019, ce n'est pas 2018. Il faut que tu nous gardes. Il faut que tu veilles sur nous. Nous voulons continuer même à marcher avec toi. Il faut que tu sois toujours notre protecteur. Il faut que tu sois celui-là même qui nous garde. Il faut que tu sois celui-là même qui est notre secours. Oui, il faut que tu sois notre Dieu à jamais. C'est vraiment une bonne nouvelle de vous voir même ici en train de regarder cette vidéo parce que ça nous rassure que tout va bien chez vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes même qui n'ont pas connu ce que vous êtes en train de connaître, qui ne sont même plus de ce monde. Tandis qu'il y a d'autres qui sont dans le coma. Pas plus tard qu'hier, il y a des personnes très connues dans ce pays qui ont eu un accident de voiture. Ce sont des artistes. Selon les nouvelles que nous a données, le manager est mort. Il y a deux autres dans le coma. Il y a un qui vient à peine de se rétablir. On ne sait même pas si l'autre va se rétablir. Mais on prie, tout le monde prie, pour que tout se passe bien. Ah! Si vous êtes en vie, les frères et sœurs, levez les mains et les se dites merci Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais pour moi, merci. Pour la vie que tu m'as donnée, merci. Ah. Maintenant, il faut bien préparer l'année. Préparer l'année dans le Seigneur. C'est le moment de tout confier à Dieu.
C'est le moment de confier ses projets, tout ce qu'on a envie de faire. L'année 2018, tu as bien travaillé. Mais l'année 2019, tu dois travailler mieux que l'année dernière. Tu dois assurer. Chaque jour, tu dois prouver que tu es extraordinaire et que Dieu est vraiment fort avec toi. Tu dois t'attacher à Dieu. Et tu dois prouver aussi au diable que tu aimes Dieu en ayant la crainte de Dieu. Ce sont toutes ces choses qui doivent nous accompagner aujourd'hui. La main de Dieu doit être sur nous. Et tu dois chercher Dieu en cours de plus en plus. Parce que nous savons aussi qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Mais Dieu sera là pour nous garder. Dieu sera là pour nous aider. C'est ce que nous souhaitons. Et nous devons forcément marcher sur le bon chemin. Et nous devons réunir nos enfants, notre famille, et de remercier Dieu de nous avoir gardé de la difficulté, de tout ce qui se passe. Merci. Sans doute vous attendez déjà les feux d'artifice ici. Les gens sont en train de lancer des feux d'artifice. Mais nous sommes tranquillement à la maison face à vous. Parce que nous avons envie de vous dire, mes frères et sœurs, prenez soin de vous cette année. Soyez polis. Soyez respectueux. Ayez la crainte de Dieu. C'est encore 12 bons mois. Ça commence par le premier jour. Moi, je préfère vous dire, ça commence par la première heure. C'est par la première heure que ça commence. Oui. Et toi, tu dois observer Dieu. Tu dois encore analyser ta vie et voir si ta situation plaît à Dieu. Et demeure dans la prière aussi. Il faut prier. Il faut faire tout ce qui est de plus bon pour le Seigneur. Il faut même offrir des dons, des offrandes, avec la crainte de Dieu ajoutée pour que Dieu envoie la bénédiction sur toi. C'est comme si on disait qu'il faut semer. C'est en donnant là qu'on reçoit. Donc pour que l'année soit vraiment extraordinaire, je pense qu'on doit réunir toutes les conditions de nos côtés. Est-ce que vous voyez? On nous dit de semer. Donne et tu recevras. Mais elle a la crainte de Dieu, mon frère. Et travaille dur. Ne te laisse pas séduire par tout ce qui se passe autour de toi. La corruption, la méchanceté, la séduction. Mes frères et sœurs, nous devons être prudents cette année. Nous devons être plus prudents que prudents. Et nous devons également nous soutenir. Nous ne devons pas nous faire la guerre. Nous devons tout simplement nous donner de bons conseils qui vont nous aider à avancer. Si vous êtes d'accord avec moi, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner. Cliquez sur la cloche maintenant. Activez-la. Et bienvenue en 2019 sur Nox Reborn. Cette année, Nox Reborn montrera dans une autre dimension. Avec tous les abonnés et les futurs abonnés. On souhaite 1 million d'abonnés pour cette année. Ce ne sera pas facile. C'est même là la difficulté. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec vous, tous les abonnés, tout est possible. Nous mettons notre confiance à Dieu et que la volonté seule de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Dans vos prières, ne manquez jamais de dire, Seigneur mon Dieu, que ta volonté seule s'accomplisse dans ma vie. Seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Waouh! Que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie, dans mon existence. Là, Dieu va vous donner ce qui est bon pour vous. Et va même dépasser même ce que vous souhaiterez avoir. C'était juste un message, Seigneur, mes frères et sœurs, pour vous dire vraiment merci encore de nous avoir soutenus. Merci aux 24 610 abonnés
Et puis, il y a encore des abonnés aujourd'hui. Bienvenue les gars, bienvenue les frères et sœurs, bienvenue les grandes sœurs, les mamans, les tontilles. Nous allons bien causer cette année et vivre 2019 dans une autre dimension. Nous sommes en train de travailler pour acheter des équipements. Néanmoins, avec ce qu'on a, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Cet équipement que nous tenons dans la main, ça vient de 2018. C'est-à-dire que 2019 aussi, on doit évoluer avec de nouveaux équipements. Toutes ces expériences-là, nous allons les vivre ensemble. Vous aurez vos mots à dire. Vous nous conseillerez peut-être des équipements à acheter, si c'est possible. Et c'est extraordinaire. Ce qui est sûr, c'est que nous devons tenir ferme jusqu'à la fin. Nyons Reborn fera tout ce qui est possible pour vous maintenir auprès du Seigneur. Il y a un abonné dans son dernier commentaire de 2018 qui a dit « Nyons Reborn nous aide à réfléchir et à prier. » Il faut réfléchir sur ta vie. Qu'est-ce qui ne te plaît? Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu qui se trouve encore chez toi? Est-ce que ce sont les fétiches? Ne t'offre plus ça avec toi en 2019. Que Dieu vienne te visiter aujourd'hui. Prenez soin de vous. Passez de très bons moments avec votre famille respective. Et nous ferons tout ce qui est à notre possible aussi pour vous offrir même aujourd'hui le premier des vidéos qui vont sans doute vous intéresser. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs, et que le grand Dieu soit avec vous, et que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de prier aussi pour nous, priez pour tous ceux qui sont autour de vous, et priez tous les jours. L'année 2019, comme toutes les années, c'est une année de grâce. C'est une grâce décrétée même par le Seigneur. C'est le Seigneur qui a dit que toutes les années sont des années de grâce. Si les gens s'amusent, c'est parce qu'entrer dans une nouvelle année, c'est quand même quelque chose qu'ils trouvent extraordinaire. Et chacun se souhaite les meilleurs vœux. Mes frères et sœurs, prenez soin de vous surtout et restez concentrés. Ne vous laissez pas distraire. Laissez concentrer. On dit notre ennemi, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. On n'a pas dit que le 1er janvier, il ne rôde pas. Ou bien la tête des moyens sont poulet. Non. Mes frères et sœurs, restons toujours concentrés. Et que Dieu lui-même veille sur nous tous les jours de notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Préparez-vous pour d'autres vidéos extraordinaires qui vont venir sur Nyons Reborn. Abonnez-vous massivement. Et c'est parti pour les 1 million d'abonnés. Si Dieu le veut, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse, frères et sœurs.